Une réflexion, c'est très simple, c'est un mouvement d'une forme. On va prendre par exemple la forme R ici. Alors, nous allons faire l'effet miroir, autrement dit, ceci est le miroir ou la ligne de symétrie. Donc, ceci, c'est la ligne de symétrie. On prend l'objet ou la forme R, par exemple, et on la met de l'autre côté ici, mais complètement renversée, de sorte que chaque point ici est à la même distance de la ligne de symétrie. Chaque point est à la même distance. C'est tout ce que c'est. C'est un miroir, finalement.